départ. Alors je commence. 5, 4, 3, 2, 1, top. Merci monsieur le maire. Allez, on peut les encourager, ces jeunes gens qui seront peut-être les champions de demain. Pour le moment, on vous invite à rester derrière donc les accompagnateurs. Restez derrière et lorsque vous passerez ici sur l'allée tout à l'heure, eh bien, ce sera l'occasion de partir. On salue également la Croix Rouge française et plus particulièrement celle de Pont-l'Abbé en Médicis. Donc l'entame du dernier tour avec sur l'avant en tout cas le dessert 14. Nous avions reconnu donc France Carbeck juste derrière. Ils méritent vos encouragements également. Ils partent là pour leur tout dernier tour avec le dessert 15. Nous avions donc au passage Mathéo Bélanger un peu plus loin. Nous avions donc Thomas Lucas et Luc du podium. On saluait donc le passage de France Carl, pardon, de Lucas Tréon. Nous étions à l'entame du tout dernier tour. Avec le 12, que l'on fait partie des tout bons dans sa catégorie. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ce jeune homme qui aura montré qu'il fait partie des tout bons. Donne beaucoup de pédales déjà. Alors, l'arrivée donc pour Oscar Hornec. Avec Mathieu Bélanger qui est là et qui fait l'effort maintenant. Et derrière, Lucas Thomas essaye également de revenir. Ce sera donc la deuxième place pour le concurrent de ce numéro 15, Mathéo Bélanger. Troisième, il y aura trois pénalités en tout cas. Ce sera Lucas Thomas du CC Douarnenez, un peu plus loin. Lucas Thomas qui termine également en même temps. Lucas, applaudissements. Merci, Joseph. Nous voulons le remercier pour sa participation. Bravo, le président Joseph. Merci. Bravo. C'est Joseph qui termine. Joseph, assigné à la compétition 41, Thomas Pouet. Thomas Pouet. Voilà, merci Thomas. Les 42, Eliane Plume pour le Vélosport Châteaulinois et Nouvelle Fois. Et avec l'Union Cycliste Pays de Josselin, le 43, Alexis Bélanger. Attention les jeunes, vous partez pour 6 tours. Voilà, c'est parti pour 6 tours, donc un tour à allure réglementée. Pendant le premier tour, vous devez rester impérativement derrière les accompagnateurs. Merci de rester donc derrière les accompagnateurs dans le tout premier tour. Ils sont donc partis pour 6 tours avec Maël Lemoulec, Morgane Pocha, Milan Boy, Clément Garou avec Alexandre. Voilà, à partir de maintenant, c'est parti et voilà, vous avez tout à fait raison d'encourager ces jeunes gens. Voilà, avec toujours le trio de tête, toujours le même zen, alors que, eh bien, on les encourage par des applaudissements, bien entendu. Toujours donc la même configuration, donc Alexis Bélanger, Alexandre Prochain, des trois hommes ont pris une substantielle avance sur les autres concurrents. On essaie bien sûr de revenir, mais ce sera quelque peu compliqué avec notamment Mylène Boy, avec également dans sa roue le concurrent Romain Le Bihan. Un peu plus loin, nous notions la présence, le passage en tout cas de Maël Lemoulec.
devant le pupi sur le circuit de Polo. On se regarde quelque peu, ils ne se font. Prochain tour, ce sera l'arrivée. Ils ne sont plus que deux à l'avant. Mais derrière, on va encourager donc les êtres tout plus en revenant que vous sur le vélo. Alors, c'est à vous de faire attention. Merci. Le passage ici de Milan. Et jusqu'au derrière Milan, c'est Elliot Plume. Le vélo statue lumière avec le 39, vous avez reconnu Romain Lobion. Et juste derrière Romain, eh bien c'était l'Assez Tréguin avec Loïc. Nous sommes à l'entame du dernier tour pour tous les concurrents. Je vais tenter d'aller chercher une belle place également, Raymond Garoux. Maël Moulex. Derrière, on va retrouver donc, après le Lorient, ce sera le Nord Finistère, pour le moment en tout cas, avec la Cilonard compétition. Voilà, bravo également pour le concurrent donc, de la Cilonard. Et en troisième position, Alexandre Bouchard. Avec juste derrière, c'est la nouvelle Lorient. Voilà, on encourage également. Est-ce que le solaire est toujours là? Pardon, il est déjà arrivé. Nous avons toujours tout à cacha. Ici, le passage des concurrents en arrière. Eh bien, le 72 et Louis XII, je vous disais que ce Louis XII, à ses côtés, nous retrouvons notre un peu plus loin. Nous retrouvons notre Fabien Soulaire. Nous retrouvons également le 163 de Paul Jourdain. Je reprends parce que la voiture que nous avons de passage des concurrents, ils sont là tous les deux, toujours à faire partie donc de ce avec en tout cas toute petite avance par rapport aux autres concurrents qui font partie du même club. Ça va être une course tracée de masse. En tout cas, essayer de faire en sorte que le bien va garder le contact, le bien va passionner. Ils sont 10 passages de Thomas Tatoma. Manuela Pesco. Et dernier, le représentant de la formation du cyclocross du Doha. Bravo à tous.
Cabot, Flavio Lenec. Benjamin, merci. Voilà, ça termine également pour le concurrent de la formation du Breslau Châtelet, Nathan Le Mion.